Bienvenue à ce plateau Espérance TV. Et je vais profiter pour encourager tout le monde pour l'émission qui a poussé nous à ouvrir la Bible. Encore une fois, de plus, je vais recevoir Gracia. Gracia, bienvenue. Merci pour l'accueil. Bienvenue. Et merci pour toute maman, l'internaute Espérance TV qui a regardé. Nous avons mon Dieu, bon Dieu, grâce à vous pour vous ça comprendre. Qui m'a nous passé si maintenant, grâce à vous? Eh bien, très bien, très bien, très bien, grâce à Dieu. Eh bien, nous voir que si maintenant, ça passe vite. Mais oui. Ça veut dire que ça va rapprocher nous plus près du retour de Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Eh bien, nous, toujours, on dit dans grand thème là, hein, prends soin de ces moutons moyens. Oui. Et puis, c'est toujours dans les épîtres de Pierre que nous avons. Prend ça qui est nécessaire oui. pour fortifier nous, pour aider nous de garder en contact étroit et puis Jésus-Christ, et puis marcher comme Bible a dit nous. Nous, dernièrement, prophétie et écriture. Avant nous attaquer le thème aujourd'hui, nous n'avons pas l'habitude de placer mon mental là sous la direction du Saint-Esprit. En nous baissant tête, nous allons prier. Papa Dieu, nous allons remercier pour l'occasion qu'on a nous encore. De ouvrir la Bible et puis permettre nous de comprendre la parole là. Parfois, ce n'est pas facile. C'est pour raison que là, nous commandons guider nous par le Saint-Esprit et que c'est lui qui a conduit nous en disant toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. Amen. Oui, grâce à prophétie et écrit, nous voyons que c'était un moyen pour permettre nous de trouver temps pour nous étudier Bible là, qui cabe nous de grandes prophéties, qui des lumières pour nous, pour annoncer nous vinissement Jésus, première fois il était pour venir, et manière il était pour mort, ressuscité, ça il fait nous, absolument. Et qui manière il a déviré. Et nous sommes parole dans là pour éclairer nous. Oui. Je dis à nous qu'on parler, nous toujours dans le deuxième épître de Pierre, et nous qu'on parler, je dis à dire les faux. Docteur, texte là pour nous te méditant là, bah nous démons là ça. Alors texte là nous a trouvé dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Il a dit nous, ils promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la pourriture, car chacun est esclave de ceux qui le dominent. Texte là, si mon pouga dans la gare, c'est un texte qui est dangereux. Oui. Texte là dangereux. Même quand il vire ligne dans notre version pour se mal à bien connaître lui. Oui. Alors il a dit ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui, nous avons une différence là des mots, mais en quelque sorte, qui signifie à peu près même bail là. Corruption. Donc, là où dans la corruption, ou sans pourriture. Et c'est des mots qui gravent quand même. C'est des mots qui gravent. Oui. Maintenant, nous allons entrer profond dans l'essai pour nous savoir de qui mon texte a parlé. Et puis, est-ce que vous pouvez dire nous un mot à ce premier lettre là et puis deuxième lettre Pierre là? Alors. Première lettre là, Pierre Ouvrier, ben le chrétien de la diaspora, le chrétien de la, du pont de l'Asie. Et Walletta là, c'était pour encourager yo, parce que l'Empire romain qui était régné à l'époque là, t'es fait en manière pour éradiquer tout maman qui était croire en Jésus. Et puis c'était un jeune le christianisme, au balbutiement à la Genèse à ce moment-là. Alors donc, Pierre écrit l'état là, et nous t'ai bien dit que par l'intermédiaire de Sylvain, qui était secrétaire au lit, pour encourager toutes ces mamans-là, pour dire qu'on s'a foi à un nian, tchèbe en Jésus-Christ, maintenant l'ennemi qui fait de façon pour essayer de déstabiliser, pour essayer, il a fait s'encouler, mais gardez à Jésus parce qu'il a un exemple pour nous suivre tracé. C'était premier, c'était bi première lettre là. Par contre, deuxième lettre là, nous, quand étudier là, deuxième lettre là, qui a dit, attention, maman, danger a pas qu'à venir dire à présent, mais danger a qu'à venir dire dans nous-mêmes. Ça veut dire que monde qui te croit, qui acceptait Jésus, mais qui changeait conception, yo, qui changeait, et puis yo les falsifier, doctrine la vérité, a, pour yo introduire les vrais. Gratien. Et, qui m'en est nous peut comprendre ça? Faux prophète et faux docteur. Qui
ça qui est un prophète et qui ça qui est un docteur. Parce que des fois, nous comprenons des mots, parfois nous croyons que c'est facile pour nous, que tout le monde comprend le langage là, mais on peut aller dire comme ça, oui, Bible a parlé du docteur, et puis on croit que c'est docteur local aller consulter pour un mal tête, mal l'estomac, etc. Alors, donc, un prophète, c'est un homme qui mis à part, bon Dieu choisi, il a appelé. Par exemple, nous avons lu le prophète Jérémie, nous avons de la parole, l'Éternel parut s'adresser à Jérémie. Alors qu'elle était ceci, cela. Maintenant, Esaïe recevait parole, bon Dieu aussi, le prophète. Maintenant, c'est un homme qui mis à part, maintenant, qui a reçu des oracles et des révélations, hein, pour non seulement pas pour garder pour quoi, mais pour. Oui. Et qui m'a dit, bon Dieu, qui a révélé quoi en prophète? Donc, un bon Dieu qui a révélé quoi à un prophète, il a dit, quand il a eu un prophète parmi les autres, c'est Adam songe, c'est Adam vision. Moi, quand il a révélé moi à lui, et lui, et c'est l'esprit moi qui a gravé ces images-là, pour transmettre-les maintenant à dans langue peuple-là, à des images, pour éduquer peuple-là, pour enseigner peuple-là. Donc, le prophète-là a fait deux rôles, hein, moment-là. Oui. Il a transmettre les révélations. Et ensuite, il a aidé peuple à comprendre les révélations, hein, il a enseigné yo comment comprendre. Alors, qui maintenant a fait reconnaître un bon prophète et puis un mauvais prophète? Bien. Esaïe chapitre 8, verset 20, Kado. À la loi et puis au témoignage. Si le prophète n'a pas parlé comme ça, c'est quand il ténèbre, c'est quand il panne la lumière, c'est ténèbre. Si un prophète vini et puis il déclare un événement. Il annonce en prophétie. Il annonce en prophétie. Prophétie a trouvé accomplissement. Mais si pendant prophétie a trouvé accomplissement, même prophète a la dit, en nous, détournez en nous, en nous adorant divinité païenne, en nous adorant en notre Dieu, que le Dieu qui révèle les prophéties a, c'est un faux prophète déclaré par Dieu. Donc, un vrai prophète, c'est un homme qui a discipliné quoi, a mis en pratique la loi de Dieu, parole bon Dieu, en disant ensemble. Exactement, il a marché d'après parole bon Dieu. Et tout ça, il a dit, tout ça, il a fait, ou pour trouver vérification et puis conformité à la parole bon Dieu. C'est ça qui est un vrai prophète. Donc, un vrai prophète aussi, c'est un monde qui a annoncé soi-disant les oracles de Dieu, et qui a trouvé accomplissement en disant parole. Qui a trouvé accomplissement en disant parole. Et toujours est-il que maintenant, le prophète Tala a été rectiligne et puis la volonté de Dieu. Si un prophète vient, lui c'est un prophète, et vous constatez qu'il y a quatre femmes, est-ce que vous avez pris attention à la parole Tala? Mais non, parce que la parole de Dieu qui a parlé, maintenant Dieu, il a interdit, maintenant il dit marier mais votre femme. D'accord? Donc maintenant, par la polygamie, la Bible n'a pas entretenu la polygamie. D'accord. La polygamie, bien. C'est-à-dire maintenant, croyance en plusieurs manières. Nous parlons des docteurs à présent. Oui, alors, qui ça, nous comprenons là, c'est qui ça? Pierre, le dino et petit Pierre, qu'a mettez-nous en garde contre ces faux prophètes là, faux docteurs là. Est-ce que c'est des faux prophètes en dehors, des docteurs en dehors, qui a venu influencer mon dedans, c'est qui ça qui a passé là? Ben non. Donc nous dit et nous mettez l'accent, il nous dit que danger a venu du dedans. C'est du dedans de l'église là, même quand on constitue l'église là, hein, que des hommes, des femmes, des monde maintenant qui a maintenant prend un enseignement, en vérité qui est énoncé, mais il y a tourné vérité à d'après manière. Yo. Alors il y a fait vérité à venir en prétexte maintenant pour trouver enseignement, pour trouver influence, pour détourner le monde. Un docteur, hein, ce n'est pas un monde qui a consulté un malade, hein, c'est pas un cabinet pour ça, mais un docteur, ici, a le docteur, c'est un monde qui attaché à l'enseignement qui pour porter enseignement, éclaircissement de l'enseignement devant le peuple. Un nom lit texte là, pour clairer nous en laissant nous dire là, à dans 2 Pierre, yon verset, yon a 3. Bien, alors regardez-nous. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs.
qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, notez le mot dissolution, de la voie de la vérité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, le besoin pressant d'unir l'argent, cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Oui. Alors, là, nous avons ça, Pierre, qui a décrit ici, a vraiment l'année en menace et en danger. En menace. Puisque, compte qu'il y a, dit, danger qui a venu, dit, en disant, en disant l'église là. Où sont les nous, les plateaux Espérance TV, pas une langue de bois, Garcia? Mais oui, absolument. Maintenant, est-ce que, au sein du communauté, nous, il n'y a pas de danger à l'âge du jour. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Absolument. Absolument. Il y a danger à là, qui a venu de plus en plus. Il a pris de l'ampleur de plus en plus. Parce que, là, nous, quand Timothée a dit nous, il arrivera un temps, et les hommes, pas qu'ils s'assiportent supporter la sept paroles, mais il n'y a la peuple, il n'y a démangeaison d'entendre paroles agréables. Il y a détourné l'oreille de la vérité, il y a attaché à ses femmes. Et qui me témoigne d'où? Ça, c'est l'esprit du diable. Parce que le diable, puis pour ça régner, c'est divisé pour mieux régner. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous citer nous, il y a des sectes pernicieuses qui ont affecté l'église là pour essayer de disloquer le peuple bon Dieu? Eh bien, il y a l'eau sec pernicieuse. Par exemple, il y a l'eau sec de cadeau que, véritablement, le sabbat, c'est pas le septième jour de la semaine. Donc, et on va trouver ça, on dit dans l'église, nous, on dit dans l'église, nous. Oui. Le cadeau que, bon, c'est des sabbats lunaires. Des sabbats lunaires qui peuvent tomber n'importe jour la semaine. Bon, il y a d'autres qui cadeau comme ça, que la sanctification de la chair, par conséquent, ou pas ni à toucher monde, qu'on fait qu'on les essaye, mais t'es quoi pas pour purifier quoi ou pas nous doit toucher madame pas toucher tout ça c'est là ça c'est des hérésies. Donc il y a des mounes qui cadurent par exemple que et même de nous il y a une croyance au niveau de l'occultisme à présent. Des mounes qui croient dans les esprits désincarnés alors que la Bible a condamné fortement. Oui, et moi quand tout est tout en rond et ça repense des bâtons du berger les Davidiens. C'est des mounes qui depuis déclaré quoi depuis 1888 que l'église là pour un mauvais tournant, il n'a pas accepté mais sa justification par la foi, et que par conséquent, l'église là perdit, l'église adventiste perdit, et que le prophète Ellen White déclarait que faut te constituer notre église. Or, ces déclarations, tu as la paix écrite pièce côté dans les écrits de l'esprit de prophétie. Il y a cadeau que dans Apocalypse 3, maintenant, bon Dieu déclarait que l'église c'est Babylone, et que par conséquent, faut reconstituer notre église. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible a dit que maintenant, le témoin fidèle déclarait que puisse être froid ou bouillant, j'ai quelque chose contre toi, tu n'es ni froid ni bouillant. Maintenant. Mais le nous a l'issue de texte là pour arriver jusqu'au verset 14, il a dit maintenant, je châtie et je reprends tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Celui qui vaincra. C'est mon nom. Il a oublié que la Bible a dit que celui qui vaincra, mais c'est mon mal à Odyssée. Donc, il n'y a des vainqueurs à la Odyssée. Et c'est tous ces vainqueurs à la Odyssée qui ont constitué l'église du West. Mais nous, que, malgré ça, c'est mon dala qui apporte une influence, puisque même à l'époque de Pierre, au verset de Pierre, il dit comme ça, ni en l'eau parmi eux qui a suivi, en disant dissolution, en disant voie, etc. Mais ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant, parce que depuis un dit de ciel-là, regardez un tiers d'un sur Lucifer, à des rébellions. À sous la terre, regardez le travail de Lucifer, regardez le monde qui a porté, qui a supporté. Maintenant, toutes sortes de religions, toutes sortes de confessions. Alors, Gracia, est-ce que nous pouvons lire verset 10 là? À dans 2 Pierre 1, verset 10 là, nous ne pouvons pas lire tout le reste, mais nous pouvons inviter ces gens de continuer à lecture à la caillou. Oui, et verset 10, il a dit. Oui, alors, ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, et ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Et c'est ce que nous avons vivre. C'est ça nous avons vivre. Yoka
Mépriser l'autorité, il y a contre l'autorité. Vous comprenez? Maintenant, Jésus a établi la discipline. Maintenant, au sein du peuple de Dieu, il y a de la discipline. Il y a contre la discipline. Alors donc, il y a seulement un plus sage qui est bon Dieu d'après eux. Il y a plus sage. Bon Dieu, il veut porter la discipline bas Satan. Satan. Il devait clairer quand il est l'ennemi. Alors, mon Dieu, est-ce que nous pouvons penser, est-ce que nous plus sages que bon Dieu pour nous bafouer la discipline, refuser la discipline et puis instaurer l'anarchie? Alors, le plus souvent, Gratien, ça qui a fait là, c'est que ces faux bergers là, ces faux prophètes là, ces faux docteurs là, c'est des gens qui bien instruits, puisque c'est quand même des docteurs. Absolument. C'est des gens qui ont un bagage parfois intellectuel, qui ont un audible, qui ont en belle présentation. Oui, en belle aura. En belle aura. Et parfois, c'est des pasteurs qui ont abandonné, des anciens qui ont abandonné, des hommes bien placés. Ce sont des hommes bien placés. Et surtout des hommes qui étaient bien placés, mais qui n'ont pas supporté quand un moment dans la vie, ils ont failli. Et là, la discipline vini pour eux, ils n'ont pas accepté la discipline. Et ils font exactement comme Lucifer, ils rebellent quoi ils rebellent quoi. Malheureusement, et ce sont des personnes qui assez, qui ont présenté un prestance assez important. Et c'est pour ça que la Bible a dit, ils ont cassé 8 moun. Et le plus souvent, ils ont méprisé la parole de Dieu au profit des connaissances. Exactement. Au profit, ils ont remetté en doute. Par exemple, et l'histoire de l'âge de Noé, et bon Dieu créé en 7 jours, et la dîme que nous n'y pour remettre à l'Éternel, etc. Et c'est pourquoi nous croyons que Pierre, c'est important, qu'il te mette l'action à recadrer les écritures, et puis informer ces mounas. C'est là que nous allons régler contre l'homme. Exactement. C'est là que nous allons régler contre l'homme. C'est pourquoi il dit, tenez d'autant plus certaine la parole prophétique, et puis prêtez attention. Alors il y a un chant qui a dit libre, 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 m'en libéré en Jésus. Tout le monde qui a dit moi libre. Est-ce que vous libre d'y faire? Ça vous le fait? Ou bien qui dit qui liberté? Puis on va parler nous ici. Hein? Bien. Non, un monde qui libre, liberté qui a commencé, qui a pris fin, lorsque la liberté, l'autre là qui a commencé. Maintenant, nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 2. Verset 18 et puis verset 19 aussi. Verset 18 et puis 19. Nous allons lire. Alors, nous allons lire verset 17 d'abord. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oui, alors nous avons vu que nous avons un mot qui n'est pas tellement vieux que ça. Oui. Puisque depuis là encore, nous avons vu que ces gens ont apporté un coup pour dire comme quoi, ou libre à présent, oui, ou libre d'y faire. Ça, on le fait. Oui, ou libre d'y venir au temple. Ou libre d'y rejeter la loi parce que Christ libère. C'est cela. Mais la Bible a dit nous, quel que soit frère, ses personnalités, hein? Vous avez été appelé à la liberté. Nous tous appelés à la liberté. Mais il dit seulement pas faire de la liberté en prétexte pour vivre selon la chair. Car la chair a des désirs, un désir qui est contraire à la loi de Dieu et à l'esprit de Dieu. Parce que la liberté, tu as là, peut venir en pierre d'achoppement. En pierre d'achoppement. Mais oui, absolument. Alors nous, en réalité, et l'homme qui était quoi influencé parce qu'il prend mes disciplines. Mais c'est ça. Et il pas savent que le mot disciple qui a venu de discipline. Exactement. Alors à présent, personne ne parlait tant de parler de discipline. Dès pour parler de discipline, pourquoi juger moi? Pourquoi juger moi? Pas droit juger moi, moi libre en Jésus-Christ. Alors donc c'est ça, c'est problème dans la qu'il n'y a plus le mot liberté. Ah, tout le monde a crié liberté, liberté, liberté. Alors qui ça Jésus dit en nous prend Jean 8 34 38. Jean 8, 34, 38, mais c'est ça Jésus qui a dit nous. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Sinon, le fils, pardon, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison.
Le Fils y demeure toujours. Verset 36. Sinon, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, nous libres vraiment. Jésus libérez-nous. Mais libérez-nous de qui ça et comment y est? Jésus, libérez-nous. Il libérez-nous de l'emprise du mal et du péché. Il libérez-nous du péché, de la mort, de la vie. De la en vie, mot, de la chair. En mot qui a... Et parfois, et bah, nous devions souvenir de l'esclavage. De l'esclavage. L'esclavage du péché. De l'esclavage du péché. Parce que là, on va vivre, on pas soumis à Jésus-Christ ou sous l'emprise du mal et du péché. Donc, en venant à Christ, le Christ nous libère, nous donne cette liberté. Et cette liberté nous permet de le suivre comme le catéchumène en tant que disciple. Disciple dans l'esprit de la discipline et de la... Oui. Alors, le plus souvent, et nous le tactant en laissant, le plus souvent, technique, c'est faux prophète là. Oui. Et puis, c'est faux docteur. C'est garder les nouveaux convertis qui sont entrés dans l'église là pour essayer de prendre à pas et puis pour distraire du avancement dans la foi. Mais c'est ça. Mais c'est absolument, c'est ça, Satan qui a fait. Et lui, Mathieu, là où est un loup, maintenant, qui attaque un troupeau. Il a cherché, donc isolé yon. Puis il peut s'apprendre, parce que si coude tout le monde, coude un chat pas à coude plusieurs rats, parce que si coude plusieurs, il peut prendre pièce. Il peut prendre pièce. Donc c'est isolé en monde, et puis non pas porter parole, clé l'évangile là-bas, pour dire, ou pas à ouais, ça qui est allé là, c'est bordel, ou pas à ouais, ça qui est fait là, c'est pas ça, ou pas à ouais, ça c'est toujours un mécontentement, toujours un égoin, toujours un rancune, toujours un bagaille. Alors, les gens apostent ça, ils ont dit, mais finalement, c'est vous, ça aura de là, vous savez, et puis ils ont mené à ce côté, puis essayer, écouter. Il n'y a pas une parole dans la Bible là qui m'ont pas aimé. Personnellement, c'est pas qui parole là, pas bon, mais ma senti chaque fois m'arrive dans les paroles d'Allah, il dit ben red. Là il a parlé qui risque les nouveaux chrétiens qu'apprend là il va retourner virant les anciens modes de la vie. Donc nous ni deux textes là, nous quoi point 2 Pierre 2 versets 17 à 22. D'accord? Et puis Matthieu 12 43 à 45. Très bien. Qui s'en peut dire nous, on laisse ça. Bon, alors. Pourquoi aller rapidement, en tant qu'à vous et puis nous là. Alors, il a dit nous, concernant les faux docteurs, les faux prophètes, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et le seul sauveur Jésus-Christ, qu'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par leurs dernières conditions. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après de l'avoir connu du saint commandement qui leur a été donné. Il est arrivé ce que dit ce proverbe vrai. Et ça qui est là. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est fautrée dans le boumier. Ça arrête. Puisque je ne sais pas si on a eu l'occasion, l'autre jeune, d'observer le chien vomi et c'est exactement ça qu'il a fait. Et le chien a viré ou pas quand même garder ça qu'il a fait là. Pourquoi tout n'était tout et pourquoi avancer. Ouais, donc ça veut dire que des fois, nous pas qu'à peser et des décisions nous prenons, de virer en l'air les mêmes vieilles bagailles nous avons fait dans le passé. Diable avec l'eau en seule sorte, et vous pouvez trouver justification, hein? Vous pouvez retourner en l'air sans vomir, sans vous pouvez retourner poser question en l'air la vie passée, alors que l'évangile a dit, si vous en Christ, ou sans nouvelle créature, chose passée, toutes choses devenues nouvelles, ou quoi
déterrer le passé pour virer satisfait corps et puis enfouir corps. Ça terrible, ça. Ça terrible. Alors, et Pucci, parfois, nous allons aller vers la fin, hein. Pucci, parfois, en même message qu'a viré plusieurs fois, ou Pucci, on a répété ce message-là, deux, trois fois, plusieurs fois. Nous allons lire Jude 4:19. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est le même terme là, nous, Adam Pierre. Depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Vous voyez? Et qui renient notre seul maître et seigneur. Pierre, t'es bien, ouais. Je veux vous rappeler avec à vous qui avez fort. Toutes ces choses, qui savaient bien fort toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, déchaîné éternellement par les ténèbres et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre, les villes voisines qui se livrèrent comme à l'impudicité de ces vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine de feu éternel. Malgré cela, ces hommes, aussi entenaillés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité, injurent les gloires, c'est ce que nous avons vu. Et tout ça, c'est des leçons qui tirées dans l'Ancien Testament pour pousser nous à la réflexion, pour comprendre ces mounins qui étaient dans la dissolution, qui étaient rebelles, qui étaient ouvertement amenés en vie de péché, en rébellion contre Dieu, qui maniait, bon Dieu, passé en jugement. Oui. En jugement, un jugement terrible. Ouvert, quoi, et puis en gloutillot. Ça tellement important. Et Pierre, au cas, vire pour ça. Oui. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, 5, 6. Oui. On nous pose ce texte-là, puis pourtant, en conclusion, on laisse ça, puis ça, on laisse ça. Nous, quand il finit, et je dis à Adam, t'es causé. Oui. 2 Pierre chapitre 2, verset 4 à 6. 2 Pierre 2, verset 4 à 6. Donc, allez. 2 Pierre 2, 4 à 6. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et leur réserve, et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais a sauvé Noé, le huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde impie, et s'il a condamné à la destruction et ruidiment en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste lot conformément à attristé par la conduite des hommes sans foin dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tournaient journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs crimes. Donc, les nous lisent ce texte-là, et Bible a dit nous, c'est un exemple pour les impies qui vont venir. Et pour le jugement. Si nous faisons une comparaison entre le monde d'alors et puis le monde d'aujourd'hui, est-ce que vous pas qu'à penser grâce, et là nous avons fini là même, que nous dépasser Sodome et Gomorre, nous dépasser à l'époque où, où ces mondes-là étaient dans l'homosexualité, ils étaient dans la dissolution, mais jamais ils n'ont pas camaillé des hommes, jamais ils n'ont pas camaillé des femmes. Voilà. Donc qui ça nous fait et puis tout ça. Eh bien, ça pour nous faire, c'est continuer brandir parole là. Continuez prêcher parole là, continuez exposer parole là pour dévoiler ces bagages là. Et même si maintenant c'est mon redit l'oreille, redit l'oreille, la Bible a dit nous maintenant c'est des mondes et le feu éternel va réserver bayo, mais nous nous n'y a sauvé qu'en nous. Oui, mais tant qu'il n'y a la vie, il n'y a espoir, qui veut dire que ces mondes là
si yo pas fermé l'entendement yo par le Saint-Esprit, nous ne pouvons porter parole à bas yo et jusqu'à ce que beaucoup l'amour, oui, beaucoup tact, beaucoup sagesse pour nous faire en sorte que yo ni parole là et oui, c'est yo qui ni dernier mot. Absolument. Nous ca souhaiter tout le monde bon courage. Merci. Bon lecture et puis continuer à enrichir con nous et nous préparer con nous pour nous pas tomber parmi les faux prophètes, pour nous pas tomber parmi les faux docteurs, mais pour nous rester des attaché bons disciples en Jésus-Christ, comme Pierre. Qui kaba nous ces bons conseils là. Merci en prier pour nous finir. Papa Dieu, nous ka remercier vraiment, nous ka remercier pour nourriture ou ben nous éclairer nous ou dit nous prêter attention à parole prophétique là. Pas faire comme les autres qui ka rechercher des gloires humaines maintenant et qui a détourné l'oreille de la vérité. Mais nous a garder regard nous fixant les Jésus. Et là, Jésus qui est venu, qui bonheur nous qui est venu, dit ouais Jésus, dit glorifier et dit monter le pays pour nous vivre pour l'éternité. C'est prière pour tout le monde au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen.